Pour les personnes qui ne connaissent pas le tribunal, je vais vous expliquer. C'est très très simple. Alors, je vais inviter deux personnes en vocal qui se sont préparées avec des arguments. Ils vont venir, chaque personne va avoir une minute pour présenter ses arguments et défendre son animé préféré. En fonction des arguments qu'il va avoir et des questions que je vais lui poser, le chat, vous allez devoir juger quelle est la personne qui a défendu le mieux son animé. Vous voyez, c'est super simple. Et vous allez voir, des fois, il y a des masterclass. Il y a des gens, ils sont trop drôles. Donc, préparez-vous, vous allez voir. C'est vraiment très drôle. Là, pour l'instant, il y a déjà des gens. Ah, il est là. Allô ? Le cuir ! Le cuir ! Oh, fumier, ça va quoi ? Et toi, mon petit chinois ? Ouais, c'est vrai. Prends-le. C'est faux, il est pas chinois, c'est faux. C'est faux. Du coup, est-ce que t'es chaud? Moi, je suis chaud. Mec, moi, je suis archi bouillant. Mec, il y a déjà des gens, là, ils sont prêts. On va les move bientôt. Le chat, est-ce que vous êtes prêts? Déjà, ça, j'aimerais savoir. Je peux participer même si j'ai rien préparé. Même si vous avez rien préparé, venez. C'est ça justement qui est drôle. Parce qu'on va vous voir un peu sur le... Comment on dit? En freestyle. Et c'est ça qui est super. Ouais, du coup, là, c'est de l'impro. On va voir vos arguments sur l'instant T. C'est pas grave si on n'a pas un bon micro. Oui. Écoutez, on va essayer de se débrouiller. On est à la maison, les gars. Et vas-y, je move deux premières personnes. Hop. Et hop. Ouais, mais laissez de voir justement. Okay. Bah, vas-y, c'est Juro, tu te défends quoi, mon ref, du coup? T'es là pour. Kuroko. Kuroko no Basket, le meilleur animé! Ouais, bah, exactement. Ok. Zeno, t'es là? Du coup, on attend de voir après. Je sais pas s'il est là. Ouais, il s'est muté. Hein. Il essaye de voir, il s'est mute là. Okay. Au pire, on prend quelqu'un d'autre et puis on verra quand. Norlis? De quoi? Non. Vas-y, on prend quelqu'un. Et puis, vas-y. On va prendre Jeff. Quoi tu penses? C'est bon vieux Jeff. Ok, t'es là pour nous pour défendre quoi, frérot? One Piece, gang. One Piece. Ah ouais. Ok. Question, est-ce que vous avez préparé des arguments? J'ai tout prêt, frère. Ok. Non. C'est Juro, t'as pas d'arguments? Je suis en impro, mais je suis à peu près. Ok, d'accord. C'est qui veut commencer? Shifumi. Comment ça, non. Shifumi? Il dit à haute voix en même temps le truc, tu vois, au pire. Après, on peut pas savoir qui a dit tes trucs. Vas-y, faites comme ça. Ok, vous savez quoi? Je pense à un chiffre, et celui qui se rapproche le plus commence, ok? Entre combien? Ok. Entre 0 et 100 millions. Oh, le bâtard. Ok. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. 658 000. 100 millions. Ok, je pensais à zéro. Ouais, j'ai pas vu. Mais quel troller, ouais. Ah, le bâtard. Hey, tu sais quoi, je te mets une petite OST One Piece. T'as une minute, mec. Vas-y, carré. Attends, je me prépare. Vas-y, mentalement, physiquement. Mets-toi bien, frère. Ouais, c'est bon, je suis chaud. Respire. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, déjà, la popularité. Le One Piece est vraiment l'animé le plus populaire de tous les temps. Déjà parce qu'il y a des personnages de fou. Vraiment, les personnages, ils ont un charisme de fou, tu vois. L'équipage de Luffy, cheaté à fond, tu vois. la construction du manga, tout ça, genre l'histoire, elle est incroyable, l'intrigue, elle est incroyable. Qui pense à des pirates, à faire une histoire de pirates, tu vois, incroyable. En plus des pirates dans la mer et tout, voilà. L'anime, genre en soi, ça a toujours été top 1 et, depuis longtemps, tu vois. Après, en parlant du manga, les dessins sont incroyables. Après, il y a l'humour, il y a tout ce qu'il faut, tu vois, pour que ça te passionne et que tu restes longtemps suivre l'animé. Même si c'est vrai que c'est l'un des mangas, enfin des animés les plus longs, c'est celui qui donne le plus envie de le regarder, genre tout le temps. Ok, je te coupe. Nouveau truc et voilà.
Ok. Ouais, non, je t'en pression, wesh. Ok, c'est Juro, t'es prêt ou quoi? Ouais. Je te mets une petite OST Kuroko. Vas-y. Bon, même si tu l'entends pas, je suis désolé. Ouais. Est-ce que tu peux te mute, Jeff, s'il te plaît, pendant qu'il parle? Juste comme ça, on n'a pas le... Vas-y. Merci, mon gars. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok, tu peux y aller. Déjà, Kuroko, c'est un animé de sport. D'ailleurs, Shiro, elle a fait une vidéo dessus, du coup, pour les abonnés. Ensuite... Aïe, vas-y. C'est un animé de sport. On a 3 saisons incroyables, quoi. Avec une animation gothière et une histoire palpitante, même s'il y a de l'esprit Neketsu. Des fois, il est poussé. Et il y a du suspense, quoi. Dans Kuroko, on retrouve un jeune garçon, quoi. Un jeune. On retrouve Kuroko qui veut trouver un nouveau partenaire. C'est pas expliqué. Bref, c'est une histoire incroyable. Lis pas le chat. C'est une histoire incroyable avec un film aussi qui est sorti. 2h30, il faut aller le voir. Quoi dire de plus, quoi. Il y a du suspense, il y a de l'animation. Il y a aussi du fanservice pour les balles du chat. Du coup, voilà, on va aller le voir. Ok, il a fini. Et en vrai de vrai, Shiro, t'as trop raison. Lisez pas le chat. Non mais, en vrai, quand vous passez, j'insiste, lisez pas le chat. Pas le chat. Si on regardait pas la cam de Roy aussi, parce que des fois lui aussi. Ouais, mais Zigoto, en fait, vous... il fait Zigoto aussi là. Mais gros, je dois animer. Ok, je vais envoyer un. Hop là, Manga FR, quel bail. Manga FR. Attends, je prends lui aussi, hop. Et hop. Antoine, c'est bon, viens Antoine. Quoi? Il a fui? Comment? Mais quoi? Antoine, eh oh, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Reste ici. Allô? Reste ici. Tu vas parler. En parler de quoi? Vous voulez mon staff ou quoi? Tu vas parler. Attends, t'as fait le gars dans le channel? Ouais, je vais vendre des BZ et tout, blablabla. J'ai jamais dit ça, mais vas-y, t'inquiète, toujours tout le monde. Vas-y, toujours tout. Allez, va trouver une preuve, hein. On va voir si t'as trouvé une preuve. Attends, t'as dit que tu participais au tribunal, non? Bah, trouve une preuve. T'as supprimé tes messages? Non. Oh, c'est... Bah non, menteur. Je suis là pour parler avec les participants. Ouais. Et pourquoi pas pour défendre l'indice? Parce que je vois que le participant d'avant a complètement détruit l'œuvre. Et ça me détruit. Psychologiquement. Donc ah, t'es prêt à défendre? Là, t'as trop parlé, maintenant tu dois parler maintenant. Et bah vas-y, parlons. Hein. Ok, bah il est où Manga FR? Je l'ai move, il s'est barré. Mais Manga FR, c'est un monstre en débat, il va me détruire. Voilà, Manga FR, pourquoi tu fuis là? Ah non, j'avais pas fui, mec. Ok, voilà, moi je veux des gens qui parlent. Je veux des gens qui discutent. Tu me mets dans la sauce là. Moi je veux des kickers. T'es là pour défendre quoi? Naruto, je présume? Non. En fait, tout le monde défendait Naruto, du coup, je vais défendre Masha. Ok, pas mal. Non, c'est original, au moins il change. Voilà. Oh, mais il y a tout le monde. Tout le monde veut défendre Naruto là, ouais, faut être un peu original. Moi j'étais prêt à ce que tu. Wesh. Moi j'étais là, c'est mon poulain, gars. Ok, pas de problème. Ok. T'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt, là. Ok. Bon, bah, c'est parti. Dans 3, 2, 1, tu peux y aller. Alors, tout simplement, My Hero Academia, pour moi, c'est le manga qui transcrit le plus de notre réalité. Donc, je vais m'expliquer. En fait, nous, on a tous imaginé dans notre monde un monde comme Emasha. On n'a jamais imaginé un monde de ninja comme Naruto. On n'a jamais imaginé un monde de ninja comme One Piece. On a tous déjà imaginé que dans notre monde, chacune des personnes aurait des super pouvoirs. Et c'est ça qui est bien avec MHA en fait. C'est déjà un monde qu'on a imaginé, donc on peut se transcrire en fait dans MHA. Ce qui est très bien dans MHA aussi, c'est les personnages secondaires qui sont tous développés et qui ont un but. Dans quasiment tous les mangas, tous les personnages secondaires ne sont pas développés. Alors que là, dans MHA, tous les élèves de la classe A sont développés. Et même Mineta, qui est franchement le personnage, pour certains, le moins utile de cette planète, et qui a quand même un but, le mec, c'est juste qu'il veut pécho des meufs, tu vois, il n'arrive pas à pécho des meufs, bah au moins, juste, le personnage le plus inutile de MHA,
il a quand même un développement, voyez-vous, tu vois. Aussi, si on parle de MHA au niveau de l'animation, c'est juste extraordinaire. Je vais pas spoiler les scans parce que bien sûr, voilà, on peut pas spoiler, mais au niveau là, ceux qui suivent jusqu'à la saison 5, vous voyez que juste l'animé c'est incroyable. On commence à prendre un ton plus sérieux. Au début, c'était un petit peu un ton enfantin, mais là, saison 5, saison 4, vous voyez que ça commence à devenir beaucoup plus sérieux avec la mafia, les braquages, tout ça. Et voilà, My Hero Academia. Okay, stop. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Attends, t'as rien écrit. J'ai rien écrit. Il a dit les termes. Moi, ce que je peux te le dire, il a dit les termes. T'as tout écrit. Non, sur. Je vous jure que je suis à l'oufiche. Ok. Antoine. En tout cas, clean. Vas-y, Antoine, à toi, mon ref. Fais-nous pas honte. Tu défends quoi, Antoine? Je défends One Piece, évidemment. Ok. Attends, je te mets une petite. Je te mets une petite OST là. T'es prêt ou quoi? Attends, on va en mettre une autre. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y mec, tu peux y aller. Bon les mecs, déjà, ça va être très très simple. One Piece est le meilleur manga de tous les temps. Donc je vais m'expliquer pourquoi dès maintenant. Donc déjà, One Piece, ça, c'est là depuis, je sais pas, 22-23 ans environ. Et depuis 22-23 ans, c'est toujours le numéro 1. Et depuis 22-23 ans, tout est prévu à la moindre page. Donc par exemple, à la page 1, il y a un foreshadow qui est là depuis le début pour expliquer le One Piece. Genre tout ce qui est dans le manga, ça a un impact sur la suite. Tous les personnages sont bien développés. Il y en a aucun qui est laissé au hasard. Par exemple, il doit y avoir une centaine de mystères One Piece qui sont encore inexpliqués alors qu'on voit la fin. Genre très bientôt la fin de One Piece, c'est imminent, et il y a toujours des mystères qui sont expliqués, donc ça maintient la hype chez le lecteur. Dans One Piece aussi, il y a des dimensions politiques, donc par exemple le racisme, le siècle oublié, le gouvernement mondial, on sait pas quel camp choisir entre la marine, les pirates, le gouvernement mondial, en fait c'est à chacun de se faire sa propre justice. Et du coup c'est ça qui est intéressant, parce que genre tous les avis ils divergent, on sait pas de quel côté se mettre. Mais aussi One Piece, il y a d'autres points positifs, par exemple, pour les deux depuis, par exemple, qui préfèrent les combats à l'histoire, et bah il y a des vrais combats dans One Piece. Même si l'histoire est vraiment plus intéressante, c'est avec le scénario le plus complet de tous les mangas, donc si c'est plus cher parfait dans One Piece, il y sera. Peu importe ce que tu veux, il y aura dans One Piece. Il y a plein de pouvoirs différents, il y a plein de villes différentes, il y a plein de personnages différents. Ok. Ah! Alors franchement là. C'est nul! Là il y a du niveau, Il y a du niveau, les deux. Improvisation maximale. Ils ont bien dit. On a Mon Corvo et on a Mighty Hero Academia. Non, en vrai, en vrai, il a dit les termes. En vrai, il a dit les termes. Non, vraiment. Antoine. Okay, ouais. C'est ton tour. De te passer à la poêle. Aïe. Moi, j'ai une question. J'ai trouvé ça intéressant. T'as parlé de la politique, tout ce qui est message, thématique, racisme, discrimination, esclavage, nanana. Tu pourrais plus développer là-dessus? Parce que on n'en a pas parlé avant et du coup j'aimerais bien voir ton point de vue là-dessus. vas-y hein. Il est pas là. Super. Putain, Shiro qui t'est pris un vent, mon dieu. Le vent, mais mec, je me suis pris une tornade de Konoha, gros. Alors là, ouais. Oh là là. Oh le Dorlis. Oh là là, j'étais là. Oh la tornade de Konoha violente, mon dieu. J'étais là en mode sérieux.